Bonsoir à toutes et à tous. Baruch HaShem, c'est un grand plaisir pour moi d'être dans cette communauté. On peut applaudir les organisateurs. Hein. Madame Zévi, quoi la cavode, hein? Madame Zévi? Zérat Hachem. Alors voilà, j'aimerais aborder avec vous justement, déjà, bien évidemment, que toute la parole de Torah soit pour la protection du Ham Israël, la protection de nos Hayalim, bien évidemment. Très touché, on a un Hayal ici qui vient de Gaza, qui est venu nous écouter, ou de la Hachem Kitov, que Dieu nous protège. Et foi Shlema Zérat Hachem, protection de tous les Hayalim et le retour des Khatoufim au plus vite. Et ma chère, dites que nous, puis on n'en peut plus, Zérat Hachem. Bekarov, Amen Vamen. Alors vous savez, j'aimerais voilà, on est juste avant Matan Torah. Et j'aimerais justement aborder une notion qui est plus importante, plus que primordiale, parce qu'on a un domaine dans lequel maintenant, Baruch HaShem, on peut faire en sorte, et c'est un vrai cadeau que la Torah nous a donné, c'est justement le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, parce qu'on est dans un monde un peu spécial, comme vous le savez, d'accord ? On est dans une génération, dans une période où c'est vraiment compliqué ce qui est en train de se passer, on sait que c'est la guerre à l'extérieur, c'est la guerre, on parle de vente d'armes comme maintenant, comme on parle de la météo, c'est devenu normal, on parle de vente d'armes, on vend des avions, des trucs, il n'y avait pas de problème. C'est la guerre partout. Et maintenant, c'est l'antisémitisme qui prend un essor incroyable. C'est-à-dire que là maintenant, depuis la Shoah, on n'a jamais connu une telle haine du juif sur les réseaux sociaux. Bref, sur tous les points possibles et inimaginables. Une personne dit « J'aime Israël », elle va avoir 20 commentaires. Ouais, oui, et les Palestiniens, d'accord, bon, bref. C'est comme ça, c'est une haine absolument incroyable. Donc c'est pas seulement la haine et c'est pas seulement la guerre à l'extérieur, mais comme vous le savez aussi, c'est la guerre aussi à l'intérieur. On sait que dans les maisons, dans les foyers, c'est loin d'être simple ce qui est en train de se passer. Moi je connais par exemple les chiffres en France, on est à 700 mariages par an au consistoire de Paris pour 400 divorces. 700 mariages, 400 divorces quand même. Bon, je vous parle même pas de ceux qui sont même pas au courant qu'il fallait divorcer. Non, il savait pas. Ah, fallait des lingettes ? Ah, je ne savais pas. D'accord ? Donc, ils ne vivent même plus ensemble, mais ils ne savaient pas que des lingettes. Et je vous parle même pas de ceux qui vivent ensemble. Mais c'est la guerre froide. On a des gosses, hein ? Donc, qu'est-ce que je veux faire ? Faut bien les gérer, ceux-là, hein ? On n'a pas le choix. Donc, voilà, il y a ceux-là aussi. Donc, combien il y en a qui restent mariés ? Combien il y en a qui s'aiment dans leur couple ? Combien il y en a qui, Baruch HaShem, disent « Moi, j'ai un shalom bayit extraordinaire. » Donc c'est bien évidemment, c'est pas seulement la guerre à l'extérieur, c'est aussi la guerre à l'intérieur des foyers. Vous savez, la Gemara dans Maseret Sota, elle nous dit « Aibek vita de meshira » la dernière Mishnah, elle nous dit à la fin des temps « Oive ishan shebeto » C'est-à-dire, il y aura de la haine à l'intérieur des maisons. C'est-à-dire, nos ennemis, ce seront ceux de notre foyer, comme ça dit la Gemara. C'est-à-dire que tu te retrouves avec non seulement les problèmes de shalom bayit, non seulement des problèmes de relationnel entre les parents et les enfants, entre les frères et les sœurs. Certains des gens, ils ont vécu des années, ça fait 20 ans qu'on passe Pessah, tous les ans ensemble, tous les Hanouka, dernière bougie, tout le monde réuni. Il y a un héritage qui tombe. Un appartement à Natania. La guerre. La guerre. Et que tu crèves, et si tu veux me parler, tu passes par mon avocat. Je comprends pas. Ça fait 20 ans de Pessah ensemble, 20 ans de Hanouka, les cadeaux et trucs. Eh ben non, voilà, il n'y a plus rien. Oive Ishan Shebeto, elle dit la Gemara. Une haine que ça devient des ennemis. Ça devient des ennemis. C'est-à-dire que c'est incroyable. Et la Gemara, elle dit, et la Gemara, elle dit dans Maseret Brachot, caché Tarboutra Bebeto chez la dame, mais Milchemet Gog Magog. C'est plus difficile de voir un enfant qui quitte le chemin de la Torah que de vivre la guerre de Gog Magog, la fin des temps. Donc c'est très très difficile ce qu'on est en train de vivre. On se doute bien que là maintenant, là c'est un peu de l'actualité de ce qui se passe dans les foyers. Et donc bien évidemment on essaie de s'en protéger, mais on se dit que bon voilà, c'est pas facile. Donc c'est la guerre à l'extérieur, c'est la guerre à l'intérieur des foyers. Et c'est même, comme vous le savez très bien, à la base, la guerre à l'intérieur d'une personne elle-même. D'accord, on est dans un mal-être généralisé, qui est que maintenant il y a de plus en plus de consommation de drogue. Le cannabis est devenu pas de problème. Quoi, tu fumes pas toi? Tu rigoles ou quoi? C'est à la limite, t'es anormal parce que tu fumes pas. Comment c'est possible? C'est-à-dire que maintenant c'est, les pays légalisent les uns après les autres. Pourquoi? Parce que c'est devenu permis? D'un coup, c'est devenu permis le cannabis? Non, c'est parce que c'est devenu ingérable. Donc comme c'est devenu ingérable, donc du coup, bah voilà, il n'y a pas de problème. Donc on se doute bien qu'il y a une consommation d'antidépresseurs qui n'a jamais été aussi grande. En plus, depuis le 7 octobre, j'ai parlé avec des médecins qui m'ont dit que c'est catastrophique ce qui est en train de se passer. Donc il y a un mal-être. Donc il y a la guerre à l'extérieur, il y a la guerre dans les foyers, la guerre à l'intérieur de la personne elle-même. Et là, bien évidemment, on doit essayer de trouver une espèce de solution qui va faire en sorte que Bezrat Hachem, on puisse apaiser
non seulement notre cœur, non seulement nos foyers, non seulement la situation générale. Et ça, c'est quelque chose qui est très important et c'est ça que j'aimerais aborder avec vous parce que c'est un véritable cadeau que la Torah justement nous a fait. Vous savez, on se souhaite tous que le monde soit meilleur. On se souhaite tous que la situation en Israël s'arrange. On se souhaite tous que dans les Shalom Bayit, ça s'arrange. On se souhaite tous qu'avec la relationnelle, avec nos enfants, ça s'arrange. Moi, j'ai un ami qui est à Bnei Brak. C'est le seul religieux de la start-up dans lequel il travaille à Tel Aviv. C'est le seul. Et il finissait sa journée comme ça. Il passe devant le bureau du patron et le patron le regarde. Il lui dit, t'as fini ta journée? David, il lui dit, oui. Baruch HaShem. Et tu rentres chez toi? Il lui dit, oui. Il lui dit, Baruch HaShem, tu as de la chance. Comme ça, lui dit, t'as de la chance. Alors, il lui dit, mais pourquoi vous aussi? Vous êtes marié, vous avez des enfants. Il dit, oui. Sauf que toi, ils t'attendent. Moi, ils attendent ma carte de crédit. C'est l'être. Toi, ils t'attendent, mais moi, ils attendent ma carte de crédit. Donc, on se doute bien que maintenant, on ne se souhaite pas ça dans nos foyers. D'accord? On se souhaite que quand on rentre chez nous, il y a les enfants, papa, il est là. Oh, papa. Oh, maman, comment ça va? D'accord? Alors que là, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire que là, les enfants, je suis rentré. Je suis là. Et là, on reçoit un message. Ouais, on a entendu. Les enfants, venez manger, c'est prêt, les enfants, c'est prêt, venez manger. On n'a pas faim. Donc on se souhaite, bien évidemment, on ne se souhaite pas ça dans nos foyers, on se souhaite que Bezrat Hachem, on y ait une ardoute, il y ait une union, et que Baruch Hachem, il y ait des moments en famille, on se souhaite ça. Mais pour réussir, on est obligé de voir le principe qu'on va avoir ensemble Bezrat Hachem, parce que j'ai une bonne nouvelle, très bonne nouvelle à vous annoncer. C'est que la Torah nous donne la possibilité justement de pouvoir passer toutes ces étapes-là. On sait qu'on a la Emouna Shlema, qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie pas des preuves sans nous envoyer la solution. Et ça fait partie de la Emouna, le chamelier comme ça. La Gemara, le chamelier connaît ses chameaux. Il sait très bien combien on peut transporter, combien on est capable, combien on n'est pas capable. Et nous, si on analyse un petit peu l'histoire du Ham Israël de manière générale, quand on regarde déjà la naissance, elle est compliquée. C'est-à-dire la naissance, elle est compliquée. T'as Abraham, il s'est marié avec Sarah, Mazel Tov. Des enfants? Eh ben non, pas d'enfants. Sarah est stérile. Demande Rabbi Sadok à Cohen Meloublin, pourquoi il fallait que l'homme Israël naisse d'une femme qui était stérile? Je sais pas, on peut pas naître d'une famille normale? Non, t'as un papa, t'as une maman, un bébé? Eh ben non. T'as un papa, une maman, et pas le bébé. Et rebelote, t'as Yitzhak, t'as Rivka, pas le bébé. T'as Yaakov, t'as Rachel, pas le bébé. Pourquoi il fallait que l'homme Israël naisse d'une telle situation? On peut pas naître normalement? On peut pas être un peuple normal? Eh ben non. On dit Rabbi Tzadok HaKohen Meloublin, justement, c'est ça. Il fallait que le Ham Israël naisse du miracle. Il fallait que le Ham Israël, qui va être un peuple, qui va être le peuple du miracle, il fallait pas qu'il naisse normalement. Il fallait qu'il naisse, qu'il soit le fruit du miracle. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Mais fondamental. Parce que quand vous regardez les 12 tribus, où est-ce qu'elles sont nées? Chez Papi Yitzhak, dans la tente, en train d'étudier la Torah? Non. Où est-ce qu'ils sont nées les 12 tribus? Chez le plus grand de tous les malades. De tous les beaux-pères, enfin moi j'en connais des histoires de beaux-parents, hein. Mais Lavan, c'est le high level, d'accord? C'est un fou. Maintenant, il fallait que l'homme Israël naisse là-bas. On ne peut pas naître chez Yitzhak bien comme il faut, non, il fallait qu'on naisse là-bas, Yaakov il se batte pour ses gosses, et que maintenant Lavan l'essaye. On l'a lu dans la Gadat Pessah, Velavan, Bikesh, Laakor et Takol. Lavan, il a voulu tout déraciner. Il ne voulait pas de religion, pas de truc, il ne voulait rien. C'est-à-dire, ce qu'il pouvait faire pour maintenant faire en sorte que les enfants d'Yaakov soient par les jeux, il le faisait. Et là-bas, le Ham Israël est né. Maintenant, bon, tu dis, Baruch HaShem, il s'en est sorti, Yaakov, Baruch HaShem, Odoul HaShem Kitov, il est sorti, il est arrivé en Eretz Israël. Maintenant, tu regardes, il restait deux tribus à le mettre au monde. C'est qui? Ephraim et Ménaché. Où est-ce qu'ils vont naître? À Ibiza. Super. Ils sont nés en Égypte, l'endroit le plus tamé du monde. Pourquoi il fallait qu'ils naissent là-bas, Ephraim et Ménaché? On bénit tous nos enfants qu'ils soient comme Ephraim et Ménaché. Pourquoi il fallait qu'ils naissent là-bas? Ils ne peuvent pas être dans un endroit non protégé, kadosh. Non, il fallait qu'ils naissent là-bas. Nous disons, mais Farchim, vous savez pourquoi? Pour une raison très simple. Pour nous apprendre que c'est dans nos gènes. On est tout terrain. C'est-à-dire que nous, on n'est pas nés de manière normale. On n'a pas grandi de manière normale. Pourquoi? Pour nous apprendre cette notion-là. Que le Ham Israël est tout terrain. Et il ne faut pas tomber dans le piège de se dire, parce qu'il y en a beaucoup qui tombent dans ce piège, de dire, oui, mais d'accord, Rav Gomer, sympa, hein, vous nous donnez comme exemple Yaakov Avinou, vous nous donnez comme exemple Yosef Hatzadi qui a fait grandir Ephraim et Ménaché. Quel rapport, moi, Marflouchi Sportiche? Ici,
D'accord, à qui va le chemin? Quel rapport? Moi, je fais ce que je peux avec mes. Mais voilà, quel rapport maintenant? Tu me compares à des tzadikim. Ça, c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Par exemple, je donne un exemple très simple. Notre fils, la dernière fois, il était. Vous savez, il y a les feuillets de Shabbat. Vous savez, les feuillets de Shabbat avec. Donc, nos filles, elles reviennent avec le feuillet de Shabbat, avec une histoire sur la paracha, enfin, des questions sur la paracha, des questions de la halakha, et une histoire d'un tzadik, toujours comme ça. Bon. Et donc, ils le lisent à la table de Shabbat. Et là, il y avait l'histoire d'un tzaddik. C'était qui? C'était Rav Avadia Yosef. Une histoire sur Rav Avadia Yosef. Témoignage de son fils, Rav Avraham Yosef. Qui racontait quoi? Écoutez bien, accrochez-vous. Que c'était courant que Rav Avadia oubliait de dormir. Il oubliait de dormir. C'est-à-dire qu'en fait, il étudiait le soir. Et puis, dans son étude, il était tellement pris qu'il continuait toute la nuit. Et il dit ah! Il faisait nuit. Et il a oublié de dormir. Et donc, son fils, Rav Avraham Yosef, il venait. Le matin, il dit papa, il gazman kriat shema, c'est l'heure d'aller faire la tfila. Et là, au moment où il dit c'est l'heure de faire la tfila, il dit ah bon, ah c'est pas vrai. Et il a oublié de dormir. Donc c'était quelque chose de courant, cher, on va dire. Comme ça, il dit notre fils l'histoire de Shabbat. Et puis il dit ben papa, bon ok, c'est bon, ok, bon c'est Ravadia quoi. Ravadia Yosef. Et je lui dis mon fils, tu vois c'est ça l'erreur. C'est pas parce que c'est Ravadia Yosef qu'il faisait ça. Mais c'est parce qu'il faisait ça qu'il est devenu Rav Avadia Yosef. Ça, c'est très important de le comprendre. Les gens tombent dans ce piège de se dire « Ah bah parce que c'est lui, bah, c'est normal qu'il fasse ça !» Non, c'est parce qu'il a fait ça qu'il est devenu ça. C'est pareil avec Yaakov et Yosef. C'est pas parce que c'était Yaakov Avinu et que c'était Yosef Hatzadik qu'il a fait ça. C'est parce qu'il a fait ça qu'il est devenu Yaakov Avinu et Yosef Hatzadik. Une preuve en est, c'est que Eliyahu Hanavi nous dit dans Tana de Eliyahu, Chayav Adam Lomar Bechol Yom, un homme a l'obligation de dire chaque jour, Matay Yagyu Maasai Le Maasai Avotai Avraham Yitzhak Yaakov. Quand est-ce que mes actions atteindront celles d'Avraham Yitzhak Yaakov? Pourquoi? Comment Eliyahu Hanavi peut attendre de nous une chose pareille? Parce qu'à partir du moment où maintenant, dans tes actions, tu t'imprègnes de leur comportement, alors par conséquent, tu deviendras à un niveau extraordinaire. C'est comme ça que ça se fait. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Parce que ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est un principe qui est plus que fondamental. Et Bezrat Hashem, si on le comprend bien et que les choses sont claires, on pourra véritablement transformer. Vous ne sortirez pas de cette bêta clésette comme vous y êtes entré ce soir. Bon, Hashem, accrochez vos ceintures. C'est parti. Une phrase dans le Messilat Yesharim. Première phrase du Messilat Yesharim. Écoutez bien, incroyable. Yesod Achasidut Veshoresh Avodat Mima. Nous dit le Messilat Yesharim. La base de tout le service divin, Shid Barer. Veit Amet et Tsel Adam Machovato Beaolamo. C'est qu'un homme doit éclaircir et rendre vrai quelle est son obligation dans ce monde. Je m'explique. Le rôle et notre rôle en tant que juif, c'est une chose. C'est éclaircir les choses. Retenez bien ça, c'est fondamental. Si un homme comme Avraham Avinu, à l'âge de 13 ans, il a su casser toutes les idoles dans le magasin de son père, et qui va être condamné à mort. Et quand il va être condamné à mort, il va être capable de se jeter dans la fournaise. Il y a deux possibilités. Ou il est fou, ou il est très clair. C'est ou l'un ou l'autre. Et l'histoire nous a montré que c'est parce qu'il était très clair. Et Hachem nous a dit que c'est parce qu'il était très clair. Et Baruch Hachem, si on est là, c'est parce que justement il était très clair. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental parce que c'est notre devoir. Parce qu'on a tous des capacités absolument incroyables. On possède tous en nous une force qui est absolument incroyable. On peut tous faire des choses extraordinaires. Et Hachem compte sur nous pour ça, justement. On compte sur nous. Mais c'est la clarté du projet qui fera en sorte qu'on réalisera notre potentiel. Que ce soit bien clair. Vous savez, c'est comme un investisseur. Un investisseur, je ne sais pas moi, tu veux créer une nouvelle clé. D'accord? Tu veux créer une nouvelle clé, une clé révolutionnaire, duquel sera mais d'une utilité incroyable. D'accord? Tu vas avoir un investisseur, tu vois là, j'ai besoin de 3 millions pour que tu m'injectes 3 millions pour faire déjà les prototypes, etc., etc. L'investisseur, il dit, mais de quoi tu parles? Je dis, ben voilà, je voudrais faire une clé. Mais tu vas Bezrat Hashem, incroyable. Lui dit, d'accord, mais je veux quelque chose d'un peu plus concret. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Non, tu verras, Bezrat Hashem, un truc, ça va révolutionner le monde. Lui, il va te dire, regarde, je veux bien, c'est très gentil, mais tant que maintenant, moi, le projet, il n'est pas clair, j'investirai pas. Je mettrai pas un euro dessus. Parce que je sais pas de quoi tu me parles. C'est exactement la même chose. Quand maintenant, tu arrives maintenant avec un projet clair et que Baruch Hashem, tu as fait une étude de marché et que maintenant, tu sais quelle population ça va toucher et tu sais combien ça va te rapporter, combien ça va te coûter, combien ça va te rapporter. Tu ramènes devant l'investisseur, l'investisseur dit « Fine, c'est bon, on y va. On y va. C'est bon, c'est extraordinaire, c'est bon, ça marche. Moi, j'y crois à ce projet. J'y crois. » Et bien, c'est exactement la même chose avec Hashem. Akadosh Baruch Hu, ce qu'il veut, c'est qu'on soit clair. Hashem, ce qu'il veut, c'est qu'on soit clair dans nos vies. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est prêt à investir sur la plus belle de toutes les startups du monde, qui est ni plus ni moins que ta vie.
mais à une condition, c'est que le projet soit clair. C'est que le projet soit clair. Et vous verrez que plus on est clair dans nos projets, plus Baruch HaShem, notre potentiel pourra être réalisé de manière incroyable. Je donne un exemple très simple, très concret, d'un homme qui m'a transformé ma vie. Stanislas Lec. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de lui. Un homme incroyable. Stanislas Lec, c'est pas seulement un rescapé de la Shoah, c'est un homme qui maintenant, pendant la Shoah, les nazis sont arrivés dans sa ville, ils ont tué la moitié de la ville, l'autre moitié, ils l'ont déporté. Quand maintenant, lui, il a été déporté à Auschwitz, il est arrivé dans les camps, il a dit, j'avais compris à Auschwitz qu'il y a des questions qui ne servaient à rien. Tu vois, c'est incroyable. Il a dit, j'avais compris qu'à Auschwitz, il y a trois questions qui servaient à rien. La première, c'est où est Dieu? Okay, j'avais compris que cette question-là n'allait pas me faire avancer. La deuxième, c'est qu'est-ce que j'ai fait de si mal pour mériter ça? J'avais compris qu'à Auschwitz, ce genre de questions n'allait pas me faire avancer. La troisième question, c'est qu'est-ce que je leur ai fait à eux, les nazis, pour que maintenant, ils me fassent ça? J'avais compris aussi que cette question n'allait me servir à rien à Auschwitz. Donc il a dit, moi je me suis posé une seule unique question, écoutez bien. C'est comment je sors d'ici? Voilà, point barre. Ma question, c'est comment je sors d'ici? Question de Stanislas Lec. Il est arrivé dans les camps. Première question, il allait voir le journaliste. Tiens, comment on sort d'ici? Mais Stanislas, t'es sérieux? Tu crois que tu vas sortir ici? Tu vas pas qu'on finit tous en fumée? Ok, merci. Comment on sort d'ici? Mais Stanislas, tu vois pas les barres? Comment on sort d'ici? Il allait voir tout le monde et demander comment on sort d'ici? Comment on sort d'ici? Ça, c'était sa question. Comment je vais sortir d'ici? Un jour, il était dans les travaux forcés. Il entend derrière lui, boum! Boum! Il se retourne. Il voit qu'on est en train de jeter des cadavres dans un camion. Il dit, c'est bon, j'ai la réponse à ma question. Il enlève son pyjama, il se jette parmi les cadavres. Stanislas Lec n'est pas seulement un des rescapés d'Auschwitz, mais un des seuls évadés d'Auschwitz. Comment il a réussi? Et son histoire, elle est incroyable parce qu'elle a été étudiée psychologiquement. Comment il a réussi? Réponse, parce qu'il était tellement clair. Vous savez, les autres déportés racontent, témoignent eux-mêmes. Ils disent des fois, il y avait les portes des camps, elles étaient grandes ouvertes. Il n'y avait pas de SS. On aurait pu sortir, mais personne pensait sortir. Personne n'avait l'idée de sortir. Pourquoi? Parce qu'ils nous avaient tellement détruits moralement, mentalement, on ne pouvait pas sortir. On était enfermés, emprisonnés mentalement. Lui, il était tellement clair sur « je sors d'ici, je vais sortir d'ici ». Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'encore une fois, c'est la même chose. Notre potentiel, on va pouvoir le réaliser à partir du moment où maintenant on est clair sur ce qu'on veut réaliser. Vous regardez un homme comme Rav Kahneman, celui qui a créé la Yeshiva de Ponyovitch à Bnei Brak. Un homme qui a perdu sa femme et deux enfants pendant la Shoah. Son troisième enfant, il ne savait même pas qu'il était encore vivant. Maintenant, lui, quand il va arriver ici en Eretz Israël, il va dire on va remonter l'Olam HaTorah. Quand il est arrivé à Bnei Brak, il a dit je vais faire une Yeshiva de 1000 Bachorim. 1000 Bachorim. Il n'y avait pas à l'époque en Eretz Israël 10 Bachorim Yeshivot. En 1948, il n'y avait pas 10 Bachorim Yeshivot. Et maintenant, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je vais faire 1000 Bachorim. Les gens, ils disent, mais il est fou. Le pauvre, c'est la Shoah, ça lui a pas fait du bien. Ils allaient voir Rav Kahneman, ils lui disaient, mais Rav, vous rêvez. Et là, Rav Kahneman a dit cette fameuse phrase à ne jamais oublier. Il a dit, c'est vrai, je rêve, mais je suis réveillé. Phrase extraordinaire de Rav Kahneman. Rav Kahneman, il a pris des architectes pour faire son projet. Il comptait les places. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il voit, il y a 600 places. Il dit, 600 places? Mais je t'en ai demandé 1000. Il dit, bon, rabais-nous, on a de la marge. Ça n'avait pas 10 d'élèves, donc ça va. 600, 1000. Il dit, tu crois pas au projet, tu ne seras pas l'architecte de Ponyovitch. Il l'a renvoyé. Il l'a renvoyé. Maintenant, allez à Ponyovitch s'il y a encore une place sur un banc. Allez voir s'il y a encore une place sur un banc. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il était tellement clair sur son projet que Baruch HaShem, il a fini par réaliser ce qu'il devait réaliser. Et bien, sachez qu'il y a une étude qui a été faite à l'université de Yale aux États-Unis. Ils ont pris les dernières années de l'université. Les dernières. Et ils leur ont demandé une chose. Qui parmi vous a un projet clair de vie? Donc il y avait des conditions, etc. Comment vous voyez votre foyer, comment vous voyez combien vous allez gagner, comment vous voyez votre travail, etc. Ils leur ont posé une seule question. Ils m'ont dit, qui parmi vous a un projet clair dans sa vie? Sur tous les étudiants, il n'y avait que 3% qui ont su répondre positif, que oui, ils ont un projet clair. Ils se voyaient comment ils allaient vivre, comment ils allaient, quelle famille, où est-ce qu'ils allaient... Bref, il n'y avait que 3%. Et bien, ils ont suivi ces 3% sur 20 ans. Ils se sont rendus compte que 20 ans plus tard, ils avaient un niveau de vie supérieur aux autres, ils avaient un taux de bonheur supérieur aux autres, ils avaient un taux de bien-être dans leur vie qui était supérieur aux autres. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où maintenant ton projet il est clair, tu peux avancer. Et ça concerne tous les domaines de notre vie. Tous les domaines. Moi, je vois des jeunes, ils veulent se marier, je vois des jeunes, Bezrat Hashem, ils veulent fonder un foyer. Alors je leur dis, Baruch HaShem, c'est bien, mais comment ça se fait que vous voulez vous marier? Ah, on se plaît.
c'est incroyable. Quand on est ensemble, on voit pas le temps passer. C'est quelque chose, voilà, Raph, c'est fait. Non mais d'accord, ok, et quoi d'autre? Non mais en plus, nos parents, ils se connaissent de la boulette. Donc voilà, tu vois, c'est nos parents, voilà quoi. J'ai dit, ok. Mais lui, elle, c'est quelqu'un qui a des bonnes midotes, c'est un grand nerveux. Est-ce que c'est quelqu'un qui est clair dans ses valeurs? C'est comment tu vois la place du Shabbat? Comment tu vois la place des écrans dans la maison, quoi? C'est ça la question. Les questions, c'est quel projet? C'est les valeurs. C'est pas, on voit pas le temps passer. Je t'assure, viendra un jour où tu risques de sentir le temps passer. Donc, ne mise pas là-dessus. Parce que combien tu dois faire attention à ça? Combien tu dois dire, mais moi, les gens font avec leur couple ce qu'ils ne font pas avec leur maison. Quelqu'un, il achète, je sais pas moi, il achète un terrain. D'accord? Il achète un terrain en Israël, au Rachel. Il veut construire sa maison de ses rêves. Il s'est dit toute ma vie, j'attendais de vivre en Eretz Israël et construire ma maison. Au Rachel, j'ai acheté le terrain. Voilà. Je connais personne qui a acheté un terrain en Israël qui a dit, allez, Bezrat Hashem, allez, dimanche, je loue une pelleteuse. Je vais aller creuser 2-3 trous. Je coule un peu de béton. Quelques câbles. Mais rattaché. On va faire quelque chose. Non, ça n'existe pas. T'as un terrain, t'appelles un architecte. Et l'architecte, il te fait un projet clair. Il fait une étude de terrain, il fait une étude des fondations, il sait exactement quel matériel il faut. Si c'est devant la mer ou c'est plus dans les terres, il sait que c'est pas le même matériel, il sait que c'est pas le même taux de rouille, il te fait tout, des fondations jusqu'à la prise du mur. Pourquoi tu le payes lui? Tu le payes pour qu'il te fasse un projet clair. Eh bien, les gens font ça avec leur maison, ils font ça avec leur cuisine. Ils refont la cuisine, et trucs, et machin, moins détaillé. Et je veux la lumière bleue. Voilà, lumière bleue, comme ça. Hein, sympa. Voilà. Donc, jusqu'à la lumière bleue, ils sont clairs. Mais dans leur couple, et, ça va? Ouais, bah écoute, hein. Ah, fais ce qu'on veut, hein. Sauf les murs. Hein. J'ai pas compris. Comment c'est possible? Donc, comment dans ta maison, tu es capable de miser et tu payes quelqu'un pour avoir un projet clair, mais dans ton foyer, dans ton couple. Vous êtes Bezrat Hashem les déprimés? Bezrat Hashem! Voilà, t'as au bout de ta life et tu n'as plus que ça à dire. Bezrat Hashem! Mais je vous assure, on n'a même pas idée combien on peut économiser d'énergie, combien on peut économiser de temps, combien on peut économiser d'argent à partir du moment où on est clair sur ce qu'on veut. Je donne un exemple très simple, très concret. Nous, à la maison, on a voulu changer les chaises. Bon, on a déménagé, on a voulu changer les chaises de la maison. Et donc, je ne sais pas si vous avez ce problème-là, hein. Vous, ici, vachement, et nous, les enfants, on se lève de table. Oui. Donc, comme ils se lèvent de table, donc, du coup, ils vont dans le canapé, mon truc. Moi, ça me saoule. Moi, je joue à Shabbat, on soit là, on chante ensemble, on parle, on fait du vrai Torah, bref, c'est une ambiance Shabbat, quoi. Je veux pas que l'autre, il part dans le canapé, l'autre... Donc, moi, ça me... Bon, maintenant, je peux leur dire, ouais, tu vas soir. Compris, moi. D'accord, c'est le meilleur moyen qu'ils ne fassent pas Shabbat à 20 ans. Donc, du coup, maintenant, moi, je prenais sur moi, mais je voulais trouver une solution. D'accord, et donc, j'ai partagé à ma femme une étude sur les chaises, très intéressante. Une étude sur les chaises qui a été faite. Et en fait, ils se sont rendus compte, enfin, c'est étudié, hein, c'est très intéressant, c'est que dans les bars, en fait, les chaises sont étudiées de telle sorte qu'on ne veut pas que tu restes. Donc, en fait, on ne va pas te le dire, on va te le faire ressentir. Comment? On va te mettre en hauteur sur des chaises étroites. Avec les pieds qui ne touchent pas le sol. Pourquoi? Parce qu'on veut que tu sois en hauteur. Donc déjà, tu es en instabilité, sur quelque chose d'étroit, donc déjà, tu vois, tu es... Voilà. Mais en fait, on t'a pas dit, c'est bon, tu as bu, merci. Donc on va te le faire ressentir. Maintenant, à l'inverse, vous regardez dans les lobbies d'hôtel, on va te faire des canapés très bas, très profonds. Pourquoi? Parce qu'on veut que tu restes. Donc comme on veut que tu restes, soit tu es bien, tu es dans le lobby, tu es posé, et là tu dis, peut-être on commande un coca à 10 euros. Hein? Là? Tant qu'on y est. D'accord. Pourquoi? Parce qu'on veut que tu restes. Donc en fait, j'ai expliqué à ma femme que nous, il faut qu'on trouve des chaises où en fait nos enfants seront scotchés dedans. Ils sont tellement bien qu'ils n'auront même pas envie d'aller dans le canapé parce qu'ils seront bien dans la chaise. Donc on savait exactement ce qu'on voulait. Écoutez bien, le projet était clair. Et bien vous savez combien on a économisé d'argent, combien on a économisé de temps, combien on a économisé d'énergie. Parce qu'on on en a fait quelques-uns, le magasin de chaises, donc on arrive dans le magasin, on dit bonjour, est-ce que vous avez ces chaises? Ah non, mais par contre, j'ai le nouvelle chaise, voilà, tadana, ouais, design, couleur, truc, de couleur du printemps. Mais si t'es pas clair, eh ben, le vendeur, il va t'embrouiller. Parce que tu vas dire, ouais, c'est vrai, tu sais quoi, peut-être ça va faire joli dans le salon principal, c'est que ce soit joli, parce qu'on est assis qu'une fois par semaine, donc, autant que. D'accord? Tu risques de te perdre. Pourquoi? Parce que c'est pas clair.
Mais quand tu leur dis, ah non, non, écoutez, moi je veux ça. Vous avez ça? Non? Merci. Merci beaucoup. Tu vas faire l'autre magasin, tu dis bonjour, est-ce que vous avez ces chaises-là? Ah non, mais par contre on a, hein, c'est bon, merci. J'ai pas besoin, je... Et on les a trouvées. Bravo, Rachel. Et ça marche. Ça marche, le premier vendredi soir, ils sont endormis dedans. Donc c'était aussi simple que ça. Bravo, Rachel. Donc ça marche. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, encore une fois, quand tu es clair sur ton projet, tu sais ce que tu veux, eh ben, tu avances. Dans le Shalom Bayit, c'est la même chose. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Ce que je vais vous donner comme conseil aujourd'hui, je sais pas, c'est probablement le conseil le plus important pour construire un couple. D'accord? Pour moi, à mes yeux, c'est le conseil le plus important pour construire un couple normal. Un couple qui s'aime, un couple qui se respecte. Pour moi, c'est la base, ce que je vais vous dire. Vous allez gagner des années de Shalom Bayit avec le petit conseil que je vais vous donner maintenant. Écoutez bien, c'est très simple, mais c'est fondamental. Dans un couple, c'est très, très important que ce soit clair ce qui est très, 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 très important pour l'autre. Et bien, vous allez voir que bizarrement, la plupart des couples ne s'aiment pas. C'est très simple. Moi, je donne un exemple très simple. Ma femme, elle sait, Hachem la bénisse, Admea Vesrim, ma femme, elle sait que pour moi, mes heures d'études, c'est très, très, très important pour moi. Donc, comme elle le sait, donc par conséquent, elle respecte ça. Et elle sait ça. Donc, notre maison, elle tourne autour de ça. Elle sait que, par exemple, elle va prendre un rendez-vous à mes heures d'études. Elle sait que, par exemple, quand les enfants disent, oui, papa, il ne peut pas la monnaie étudier. Elle sait que c'est très, très important pour moi. Donc, par conséquent, elle respecte ça. Parce qu'elle sait que c'est très, très, très important pour moi. Et à l'inverse, moi, je sais ce qui est très, très important pour elle. Donc, comme moi, je sais, et c'est clair pour moi, ce qui est très, très important pour elle. Donc, moi, même si ça me demande des efforts, et même si ça me demande de faire des choses que je n'ai pas forcément envie de faire, et même si ça me demande de prendre sur moi du temps que je n'ai pas forcément envie de donner, mais étant donné que quoi? Que c'est, je sais que c'est très, très important pour elle. Eh bien, je le fais. Parce que je sais que c'est très, très important. Eh bien, vous allez voir que la plupart des couples ne savent même pas. Ça fait 10 ans de mariage, 20 ans de mariage, 30 ans de mariage. Ils ne savent même pas, toujours pas, ce qui est très, très important pour l'autre. Deuxième conseil. Écoutez bien. C'est très important dans un couple de savoir ce que l'autre n'aime pas. Que ce soit clair. Que ce soit clair. Ta femme, elle déteste tes blagues quand tu as des invités. Voilà, elle ne peut pas. Tu fais des blagues lourdes, elle supporte pas ça, tu charries tout le monde, elle peut pas. Toi tu vas, ça va, on se détend. Là t'es lourd. Parce qu'elle, elle n'aime pas ça. Elle ne supporte pas ça. Ça l'enlève l'amour et le respect qu'elle a pour toi. Mais si toi, tu comprends pas que c'est très important d'être clair là-dessus, bah tu continueras. Moi par exemple, ma femme, elle supporte pas la surprise. Ma femme ne supporte pas la surprise. Mais moi, combien de fois je me suis planté? Je préparais un anniversaire surprise, un resto surprise, un voyage surprise. Mais elle me dit, mais pourquoi tu me fais ça? J'aime pas les surprises. Moi, j'aime être associé dans ce que tu fais. J'aime pas les surprises. Si moi, maintenant, je suis lourd, qu'est-ce que je vais faire? Oh, ça va, tu n'aimes pas les surprises. Mais là, je suis lourd. Là, je suis lourd parce que je la respecte pas. Parce que pour elle, elle n'aime pas ces choses-là. Donc moi, même si ça me parle pas, même si moi, c'est pas quelque chose qui... Eh ben, que je le veuille ou non, à partir du moment où c'est clair, eh ben, tu ne fais plus l'erreur. Ça t'économise de l'énergie pour rien, de prendre du temps pour rien, d'essayer de faire plaisir alors que tu es complètement hors sujet. Tu es hors sujet. Et ça, c'est tellement important parce que dans un couple, c'est vital. Dans un couple, tu dois savoir ce que ton conjoint n'aime pas. Ça s'appelle le respect. Et c'est tellement important. Et la plupart des gens disent, ouais, ça va, bon, elle a son caractère. Mais si elle réagit comme ça, c'est pas parce que... Il y a des gens qui m'attendent, tu dis, mais ouais, de toute façon, t'as jamais aimé ma mère. C'est pas que j'ai jamais été aimé ta mère, c'est que j'ai toujours vu que t'aimais plus ta mère que moi. Mais les gens, ils sont pas clairs là-dessus. Donc comme ils comprennent pas ça et que pour eux, bah, du coup, bah, ils disent, ouais, ça va, de toute façon, la belle-mère et la belle-fille, on connaît la légende. Et c'est comme ça. Alors que tu pourrais tellement éviter de catastrophes, de perdre des énergies, de créer des embrouilles, de... Combien tu pourrais éviter à partir du moment où les choses sont claires? Ce que je vous dis, c'est un resto. C'est un resto. Tu te prends un resto, tu vas à la Givat Shmuel, là, et puis au lieu de parler de la terre entière, et t'as ta gilette, et bah son opération, t'as ta gilette, voilà. Et puis le truc, au lieu de parler du monde entier, tu sais quoi? Tu parles de toi, tu parles de lui, et tu demandes qu'est-ce qui est très important pour toi, mon mari? Qu'est-ce qui est très important pour toi, ma femme? Qu'est-ce que tu n'aimes pas, ma femme? Qu'est-ce que tu ne supportes pas? T'auras gagné des années de Shalom Bayit.
parce que tu te rends compte, tu te dis, ah, c'est incroyable, moi j'aurais jamais cru qu'en fait t'aimais pas cette situation-là, j'aurais jamais cru que ça, ça te blessait. Et elle va te dire, oui, mais moi mon père il me parlait comme ça et moi ça m'a toujours blessé, donc j'aime pas quand tu fais ça. Tu dis, ah, je savais pas. Et là, tu éclaircis ce qu'on appelle éclaircir les choses. On n'a même pas idée combien ça va nous protéger. On n'a même pas idée combien la clarté des choses dans nos vies nous protège. Je donne des exemples très simples. Tu vois un homme comme l'allemand Mitzanz Klosenborg, Rabbi Ikutiel Mitzanz, qui a fait tout Kriatsanz au nord de Natania, qui est encore tout l'hôpital Lagnado, c'est lui qui l'a fait. Il a perdu 11 enfants dans la Shoah. Il a perdu 10, sa femme et ses 10 enfants le premier jour où il arrive à Auschwitz. Il perd le 11e un mois avant la fin de la guerre du typhus. D'accord, un homme qui, un monde s'est effondré pour lui, son monde à lui s'est effondré. Maintenant, cet homme-là, il a dit, je peux témoigner sur moi-même que je n'ai jamais une seule question sur la manière dont Hachem gère son monde. Jamais. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, lui, c'était clair. Mais comment? Pourquoi? Parce qu'écoutez bien ce qu'il a dit. Écoutez bien ce qu'il a dit. C'est une phrase que seulement lui peut dire, une phrase pareille. Il a dit, tout celui qui n'avait pas une émouna claire avant la Shoah, la Shoah l'a détruit mentalement. Psychologiquement, la Shoah l'a détruit. Mais celui qui avait une émouna claire avant la Shoah l'a construit. J'ai déjà un peu la phrase. La Shoah l'a construit, comme ça il a dit. Mais quelle force! Pourquoi? Parce qu'encore une fois, lui, il était... Moi, j'ai eu la chance d'habiter à Bnei Brak à côté d'un homme qui s'appelle Rav Reuven Berger. Enfin, pas à côté, mais pas loin. Il habitait Rav Nechemia. Rav Reuven Berger, un homme qui a perdu sa femme et ses enfants dans la Shoah. Il est monté en Eretz Israël, il s'est remarié. Quand il a eu trois filles du deuxième mariage, quand ses filles, elles ont eu 10, 11 et 12 ans, il perd à nouveau sa femme. Il perd à nouveau sa femme. On ramène la fourgonnette avec le corps de sa femme devant la maison pour qu'il fasse les espédimes. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, j'ai juste une chose à te dire. C'est que tu t'es trompé d'adresse. Et je vais te dire pourquoi. Parce que pendant la Shoah, tu m'as pris ma femme et mes enfants. Je suis monté en Eretz Israël et je me suis remarié. Tu m'as donné trois princesses. Maintenant, elles ont 10, 11 et 12 ans. Et tu me prends à nouveau ma femme. Mais je voudrais juste te dire une chose, Hachem. Tu t'es trompé d'adresse. Parce que si tu crois que c'est ça qui pourra enlever l'amour que j'ai pour toi, alors tu t'es trompé d'adresse. Rav Reuven Berger. Et nous, le téléphone, il est tombé. L'écran, il s'est éclaté. Ah ouais ? Ah ouais, Hachem ! J'ai pris sur moi la tniout, attends, et tu me fais ça ! Et ben, tu sais quoi ? Rac ! Pourquoi ? Comment ça marche, t'en mords ? Comment c'est possible ? Réponse, encore une fois, tout est question de clarté. Tout est question de clarté. Et nous, ce qu'on doit faire, c'est exactement ça. Parce qu'écoutez bien, si la clé de la réussite dans nos projets, c'est la clarté. Si la clé de la réussite dans notre Shalom Bayit, c'est la clarté. Si la clé de la réussite dans notre Emouna, c'est la clarté. Donc vous doutez bien que le Satan, il va faire quoi? Il va nous embrouiller. C'est sa spécialité, d'accord? Bienvenue dans son monde. Le Satan, sa spécialité, c'est de nous embrouiller. Vous regardez, c'est pas de moi, c'est la Torah qui le dit. Yaakov Avinu, il quitte la maison de Lavan. Au moment où il est en route pour venir en Eretz Israël, il s'est retrouvé seul, en pleine nuit. Qui est venu à sa rencontre? Le Satan. Quand le Satan, il est venu pour l'attaquer, c'est marqué « Vayavek Ishimo Adalot Hashachar ». Il s'est battu contre lui un homme jusqu'au lever du soleil. « Vayavek Ishimo » demande Rashi. Mais c'est quoi? C'est quoi ce langage ?« Vayavek Ishimo ». C'est quoi? D'où ça sort, ça, ce mot? Il dit Rashi, la chaîne Avak. Ils sont battus et ça a fait de la poussière. Demande le Malbim, ok? Alors si c'était battu sur le carrelage, il n'y aurait pas eu de poussière? C'est la Torah, elle veut nous apprendre, il s'est battu, il y a de la poussière. Et alors que c'est un détail ça. Via le Malbim, écoutez bien ce qu'il nous dit. Quand le Satan nous attaque, n'oubliez jamais, c'est toujours quand il fait nuit dans notre vie. Et quand il nous attaque, il nous fait du brouillard. Il nous fait un nuage de poussière. Tu sais plus ce qui est important de ce qui n'est plus. Tu sais plus ce que tu dois faire. Tu sais plus que ça c'est plus important que ça. Tu sais plus. T'es embrouillé. Ça, c'est la spécialité du Satan. Je sais pas si vous savez sûrement, nous dans le Nord, on n'a plus de Waze. Depuis fin octobre, on n'a plus de Waze. Moi, j'habite dans le Nord. Donc en fait, c'est une grande galère. Alors, je vous dis la vérité. Moi, bon, avant, j'habitais à Bnei Brak. Donc du coup, je connais pas trop le Nord. Mais d'accord, du coup, la dernière fois, on m'a demandé de faire une conférence à Naria. Maintenant, Naria, c'est à peu près à 20-25 minutes de chez nous. Mais le problème, c'est comme je ne connais pas, donc du coup, je suis parti une heure avant. Et là, tu découvres ce qu'on appelle les panneaux. Les panneaux.
Incroyable, tu t'oublies qu'il y avait des panneaux. Parce que quand tu roules avec Waze, voilà, d'accord, mais là, tu as des panneaux. Tu commences à lire, là, il y a 10 km, 20 km. Et en fait, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, le Satan, c'est exactement ce qu'il veut. Le Satan veut te faire croire que tu vas arriver à bonne destination, mais tu n'as pas de Waze. Le Satan, il veut te faire croire que c'est bon, si Dieu veut, viendra ta chaîne, si Dieu veut. Mais il n'y a pas de si Dieu veut. Dieu, il veut que tu sois clair. Dieu, il veut une seule chose, c'est que tu sois clair. Il veut te faire croire que tu peux prendre la route de la vie. Tu ne sais pas du tout comment tu vas t'en sortir, mais baiseras Hachem. Non, Hachem, il veut que tu aies un projet. Hachem, il veut que tu aies déjà, tu saches déjà où est-ce que tu veux aller avec dans ton couple, avec tes enfants, l'éducation de tes enfants, les valeurs que tu veux transmettre, l'importance des valeurs que tu as dans ta maison, c'est les limites à ne pas dépasser dans ta maison. Hachem, il veut que tu sois clair, parce que sinon tu vas te perdre. Et si je te dis maintenant, va, je sais pas moi, dans un kfar au nord d'Eretz Israël, en frontière avec le Liban, bah tu vas peut-être y arriver, mais tu vas galérer. Parce que t'as pas de Waze. Donc tu vas peut-être y arriver au bout d'un moment, mais combien d'énergie t'as dépensé? Combien t'as perdu de temps? Donc ouais, peut-être à la fin tu vas y arriver. Mais combien t'as dépensé? Combien t'as perdu? Alors, la dernière fois, ma fille, elle vient, dit, papa, tu fais un puzzle avec moi? Mais je dis, pas de problème, ma fille, pas de problème. Fais un puzzle. Donc elle me ramène Reine des Neiges. 500 pièces. Donc là, je dis, ok, Reine des Neiges, 500 pièces, bon. Je dis, au moins, t'as la photo? T'as la photo de la boîte? Ça. Elle dit, ah non, papa, hein, elle n'est pas de sa noix, je n'ai pas envie que tu la vois. Ok. Alors, je sais pas si vous avez déjà fait un puzzle sans photo. C'est une grande galère. Alors, tu passes de 500 pièces à 10 000 pièces, là, d'un coup. Tu commences à chercher les morceaux, les coins, les trucs. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, tu es en train de chercher les morceaux parce que tu sais pas où tu vas. Tu sais pas à quoi ça ressemble. Tu connais pas la photo. Eh bien, c'est exactement la même chose. Quand dans ton couple, c'est pas clair. Quand vous regardez, la plupart des gens qu'on voit divorcer autour de nous, la grande majorité, l'écrasante majorité, c'est parce qu'à la base, c'était pas clair. Parce qu'à la base, c'était pas clair. Tu te retrouves avec des gens qui disent « Oui, mais je comprends pas. Elle met pas le qui sous le roche. Alors que moi, c'était quelque chose de très important. » Tu vas voir la fin, tu dis « Vous aviez dit que vous allez mettre le qui sous le roche ?» Moi, j'ai jamais dit ça. Moi, j'ai juste dit que j'allais faire des efforts. « Oui, mais elle fait pas d'efforts. » Donc, tu te retrouves avec un brouillard comme ça. Donc, comme c'était pas clair, donc ça va où? C'est pas clair. Oui, elle m'avait dit qu'on ferait l'Alia, mais en fait, on est toujours à Paris, on fait toujours pas l'Alia, et pour moi, c'est très important. Vous avez dit que vous êtes. Non, mais moi, j'ai pas dit ça. Je dis, comment on va faire l'Alia? On n'en a rien, on n'a pas un shekel, on n'a pas un euro, et on va faire l'Alia. Oui, mais bon, malgré tout, si Dieu veut. Donc, comme c'est pas clair, donc tu te retrouves avec maintenant des catastrophes dans les coupes, parce qu'encore une fois, le projet de base, il était pas clair. Vous regardez ce qui se passe dans les foyers, la plupart des gens savent ce qu'ils ne veulent pas, mais ne savent pas ce qu'ils veulent. C'est incroyable. T'as les gens qui disent, oui, ah non, moi je veux pas qu'on se manque de respect hein, dans le couple. Hein. Ah non, moi je veux pas qu'on se parle mal. Hein. Ah non, moi je veux pas des enfants qui traînent dans la rue. Hein. Ah non, moi je veux pas des enfants qui soient des délinquants. Hein. Ah moi je n'ai pas envie des enfants qui font pas Shabbat. Hein. Ah moi j'ai pas envie de partir en vacances à la montagne. Hein. Ah moi j'ai pas envie de voyager sur Transavia. Hein. Ah moi j'ai pas. Ok, j'ai compris sur tout ce que tu veux pas, j'ai compris. Mais tu veux quoi? Tu veux quoi? Parce qu'on a fait grandir une génération de gens qui font que de se plaindre. Pourquoi? Parce que les gens savent ce qu'ils ne veulent pas, mais ne savent pas ce qu'ils veulent. Donc ça fait que des gens qui font que de se plaindre. Ils disent, je comprends pas, moi dans mon couple, ils ne me donnent pas l'intention. Mais c'est quoi l'intention que tu aimerais? Je sais pas, mais ils ne me donnent pas l'intention. Je sais pas, ils ne me donnent pas l'intention. Ben voilà, comme tu n'es pas clair, comment tu veux que lui comprenne? Si toi déjà à la base, tu n'es pas clair, comment veux-tu qu'il comprenne? C'est aussi simple que ça. Mais je vous assure, combien on souffre de ça, d'un manque de clarté? Moi, je donne un exemple très simple. C'est combien moi j'ai fait d'heures d'espagnol à l'école? Oh, moi, j'ai pas fait les écoles juives quand j'étais petit. J'étais dans les écoles publiques. Donc, du coup, maintenant, donc, j'avais première langue l'anglais, deuxième langue, donc tu avais le choix entre l'allemand et l'espagnol. Donc, je vois vite fait, pas. Donc maintenant, donc l'espagnol. Mais combien j'en ai fait? Mais des centaines d'heures d'espagnol. Je suis incapable de te faire une phrase d'espagnol. Je vais te dire, hola, hasta luego. Voilà, c'est ce que je t'ai dit. Voilà, c'est tout ce que je t'ai dit en espagnol. Je suis incapable de te faire une phrase. Et je me suis posé la question, je me dis, mais je comprends pas. Comment c'est possible que je suis incapable de faire une phrase en espagnol quand même, avec tout ce que j'ai mangé d'espagnol, avec les ardoises et tout, hola. Comment c'est possible? La réponse, elle est très simple, en fait, mais elle est fondamentale. C'est que j'ai jamais compris pourquoi je devais faire de l'espagnol. Pour moi, c'était pas clair. Quel intérêt de faire de l'espagnol? Mais j'irai jamais vivre en Espagne, moi. J'ai pas envie de vivre en Espagne. Je savais que moi, j'étais clair que là-bas, j'irai pas. Donc je... Ah oh oui, mais attention, c'est la deuxième langue. Mais j'en ai rien à faire, moi. Je veux pas faire l'espagnol. Ça m'intéresse pas. C'est quelque chose qui ne m'intéresse pas.
Donc par conséquent, comme j'ai jamais compris l'importance, donc j'ai jamais pu enregistrer l'importance de la chose. Mais pareil, vous regardez à l'inverse, bah, au Hachem, dans le Kheder de mon fils, ils ont fait, ils étudiaient une souga, un sujet très 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 compliqué dans la Gemara. C'était sur les Gittin, Maseret Gittin, etc. Un sujet très compliqué. Et ils voyaient que le Rebbe, il comprenait que les élèves, là, ils avaient du mal à accrocher. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu un coup de génie. Écoutez bien ce qu'il a fait. Il a appelé un ami à lui qui est Dayan, Abdebrak. Il a dit, regarde, là, les élèves, je sens qu'ils ne sont pas trop accros à la souga. Est-ce que tu peux venir et leur rendre un petit peu plus intéressant le truc? Le Dayan, il est venu, écoutez bien ce qu'il a fait. C'est très simple, mais c'est grandiose. Il a dit, vous étudiez quoi comme page? Il dit, bah voilà, Daf Lamed, très bien. Vous avez fait la Gemara? Oui. Vous avez fait Rashi? Oui. Vous avez fait les Tosfot? Oui. Très bien. Il dit, bah voilà, j'ai eu un cas cette semaine au Bedi. Il y a une femme qui est venue, elle a dit ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que maintenant, on la croit, on la croit pas? Alors les élèves disent, bah non, le Rav, la Gemara, elle dit que. Il a fait, c'est vrai, la Gemara dit ça. Oui, mais Rav, sur ce même sujet, Tosfot, il pas. Voilà, Tosfot, il dit ça. Et bien, sur ce Tosfot là, que vous avez fait cette semaine, et bien, j'ai dit à cette femme, là, ta 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 ta. Qu'est-ce qu'il a fait? Quelque chose d'extraordinaire. Il a rendu concret quelque chose qui restait théorique. Lui, on faisait une Gemara avec Rashi, avec Tosfot. Fine, ok, super. Mais quand tu vois que le Dayan, lui en Bédine, cette semaine, il a eu le cas, et c'était sur cette Gemara, et c'est ce Tosfot qu'on a fait, qu'il a tranché. Waouh! C'est incroyable! Incroyable! Tu vois combien c'est concret? Combien c'est intéressant? Excuse-moi. J'ai déjà fait la bracha. Non, j'ai précisé. C'est pour ça que, par exemple, moi, je vous conseille de faire à la table de Shabbat un néonek Shabbat que nous, on a chez nous à la maison. C'est Achat Shalti de Rav Yitzhak Zilber Shein. Achat Shalti, je vous conseille de les acheter. Achat Shalti, c'est une question sur la paracha, mais en fait, c'est des questions de halachot, des questions de cas incroyables. Et maintenant, tu poses la question aux enfants, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Eux, ils donnent leur avis, etc. Et après, tu te rends compte, tu lis la réponse du Rav Yitzhak Zilberstein. C'est extraordinaire, parce que tu vois les enfants, ils disent, waouh, combien c'est intéressant, combien c'est concret, combien dans n'importe quel moment de la vie, n'importe quelle situation. Et combien ça, c'est primordial, parce qu'encore une fois, notre clarté nous protégera. Parce que, écoutez bien ce que je vais vous dire, si on n'est pas clair, qu'on le veuille ou non, on le sera à notre place. Retenez bien ça. Ça, c'est fondamental. Si on n'est pas clair dans notre vie sur ce qu'on veut, eh ben les autres le seront pour nous. C'est une règle. Je vous donne un exemple très simple. Si ce n'est pas clair pour vous l'importance de ne pas perdre son temps dans les téléphones, que tu le veuilles ou non, tu finiras par perdre ton temps dans ton téléphone. C'est-à-dire que tu seras là, il est 10h, tu vas te coucher, 6h30, et là tu dis, non, je veux juste regarder les enfants. Nous aurons le cas. Hop, une notification sur Insta. Hop, 11h. 11h15. 11h20. Ah, WhatsApp. 11h30. Ah, Insta. Minuit moins le quart. Minuit. Comment t'as perdu 2h là? Comment t'as perdu 2h? La réponse, elle est très simple. C'est comme c'est pas clair pour toi l'importance de ton temps. Alors les plus grandes sociétés à l'heure actuelle du monde veulent ton temps. Parce que ton temps, c'est de l'argent. Mais comme pour toi, c'est pas clair, donc tu te dis, bon, ça va, je me détends. Je me détends. Mais tu te détends pas. Tu perds ton temps. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais comme eux savent la valeur de ton temps, donc par conséquent, ils le prennent. Parce que ton temps vaut de l'argent. Vous avez pas remarqué quand maintenant tu te retrouves avec des séries sur Netflix à n'en plus finir? Genre, t'as 15 saisons, et chaque saison, t'as 23 épisodes. Tu vieillis avec l'acteur. Tu vois pas qu'il a les cheveux blancs au bout d'un moment? Tu vois pas que... Comment c'est possible? Comment on te fait tellement de séries, tellement de saisons? Pourquoi? Parce qu'on veut ton temps. Parce que ton temps, c'est de l'argent. Donc si toi, tu sais pas quoi en faire, nous, on sait quoi en faire. Nous, on sait quoi en faire. On va monnayer ton temps. Tu regardes maintenant les consoles vidéo. Moi, je vois les parents, ils achètent des consoles à leurs enfants. Ils savent même pas que les jeux, maintenant, ils sont à l'infini. Vous savez, c'est pas comme nous, quand on a grandi, nous on avait Mario, tu finissais Mario, à la fin il dit ouais, Mario, il avait un drapeau, il avait fini, voilà, t'avais fini le jeu. T'avais fini Mario, c'est tout, c'est fini. Non, maintenant, non. Maintenant, les jeux sont à l'infini. Ils sont évolutifs. C'est-à-dire que maintenant, t'as des Chinois qui meurent devant leur console parce qu'ils ont oublié de manger. Parce qu'il n'y a pas un moment où ça s'arrête. Ça s'arrête jamais. Ça évolue, ça évolue, ça évolue, ça évolue. Donc tu peux jouer du début de ta vie jusqu'à la fin de ta vie sur un même jeu et ça continuera. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on veut ton temps.
Parce que ton temps, c'est de l'argent. Donc si toi, t'es pas clair, que tu le veuilles ou non, on sera clair à ta place. Et c'est dans tous les domaines de la vie. Si pour toi, manger cachère, c'est pas clair, tu ne mangeras pas cachère. Pourquoi ? Parce qu'on va te faire des pubs du McDo et des pubs du Fish et de tout ce que tu veux. Et que maintenant, toi, tu vas dire, bah, je sais pas. Oh, je sais pas, Fish, c'est chose tartare. Folie. Mais pourquoi ? Parce qu'encore une fois, comme c'est pas clair pour toi, donc c'est sûr que tu vas tomber. C'est sûr que tu vas tomber. Parce que si c'est pas clair pour toi de manger cachère, la société fera en sorte que tu manges pas cachère. Si c'est pas clair pour toi de faire Shabbat, la société te poussera à pas faire Shabbat. Parce que tu auras ton téléphone, les notifications, les séries, les trucs, la cigarette, peu importe. Tu auras mille raisons de ne pas faire Shabbat. Donc si c'est pas clair pour toi de ne pas faire Shabbat, de faire Shabbat, eh ben que tu le veuilles ou non, tu feras pas Shabbat. Si c'est pas clair pour toi qu'il n'y a pas de téléphone à table quand on est en famille, il y aura un téléphone à table. Il y aura un téléphone à table. Parce qu'ils feront en sorte que tu auras un téléphone à table. C'est comme ça. La vie est comme ça. Mais ce qui est très important, écoutez bien, c'est ce que je vais vous dire maintenant. C'est fondamental. On est dans ce qu'on appelle la génération du savoir maintenant. La génération dans laquelle on est, c'est la génération. Tu peux tout savoir sur tout. Avec ChatGPT, Gemini, tu peux tout savoir sur tout. C'est incroyable. C'est-à-dire que tu peux savoir maintenant, tu fais des années, tu demandes, voilà, Gemini, explique-moi c'est quoi, si tu fais une photo d'un arbre, tu vois, explique-moi c'est quoi cet arbre. Ah, cet arbre, mais t'as un eucalyptus très loin de Dulus. Et il t'explique, tu peux faire pousser dans ton jardin, tu fais comme ça, et la connaissance à l'infini, c'est la génération dans laquelle on est. C'est-à-dire que maintenant, tu peux devenir, moi j'ai un ami, il est devenu programmateur juste sur des tutos sur YouTube. Il a fait aucune étude. Il est devenu programmateur et maintenant les gens ils l'appellent. Et ça parle à ça comme ça. Rien que sur des tutos sur YouTube de programmation. C'est-à-dire moi la dernière fois, la machine elle marchait pas, la machine à laver, elle avait un problème, elle clignotait, tu tapes. Machine à laver, clignote, truc, et d'un coup t'as « Bonjour, alors je vais vous expliquer comment réparer la machine qui clignote. Alors le petit clignotant... Et il t'explique, il dit voilà, t'ouvres le truc, tu penses à la machine, t'enlèves le filtre, et j'ai fait exactement ce qu'il a dit, t'enlèves le filtre, t'as un morceau de plastique dedans. Et ben au Hachem, t'as économisé un réparateur. C'est que maintenant, tu peux tout faire, dératiser ta maison, tu veux dératiser. Mais il n'y a pas de problème, comment dératiser ta maison? T'as une vidéo, alors voilà, vous voyez les coins. Tu peux tout savoir sur tout maintenant. On est dans les générations de la connaissance. C'est-à-dire, c'est phénoménal ce qui se passe maintenant. Alors moi, j'ai juste une question. On a rendu le monde meilleur? Ou est-ce qu'on a rendu l'être humain meilleur? Maintenant, tous les êtres humains pensent qu'ils sont plus intelligents qu'avant. Et ils savent plus de choses qu'avant. Mais on a détruit la planète. Comment c'est possible? La réponse, elle est très simple. Écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est parce que savoir, ce n'est pas être clair. C'est deux choses qui n'ont rien à voir. Je vous donne un exemple très simple. Moi, mon frère est médecin. Quand il a fait son internat de médecine à Paris, au SAMU, il m'a dit, Shimon, il m'a dit quelque chose de très simple que j'oublierai jamais. Il m'a dit, tu sais, tu peux dire autant de fois que tu veux à des jeunes qu'on ne prend pas le volant en état d'ivresse, ils prendront le volant en état d'ivresse. Tu peux leur dire, la preuve, tu vois sur les paquets de cigarettes, tu vois des gens en train de mourir, des foies, des gorges, des langues, des trucs, là ils se tairent. Mais les gens, ils fument, ça va toi, t'en as une? C'est incroyable. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, savoir, ce n'est pas être clair. Il m'a dit, tant que maintenant, ils ne sont pas venus à 1h du matin quand tu as un appel du SAMU, parce que tu as un jeune de 20 ans qui s'est pris une rambarde à 120 km/h, parce qu'il a raté la sortie, et que quand tu arrives sur place, il est en train de mourir dans la voiture, et que la voiture, elle est écrabouillée, et qu'il est en train de se vider de son sang et qu'il est pâle, et qu'il te dit derrière le pare-brise, est-ce que je vais vivre? Et que toi, tu le regardes, tu dis, on va faire ce qu'on peut, et que t'attends, parce que t'attends les pompiers pour qu'ils scient la carrosserie, tant qu'ils n'ont pas vu ça, eh ben ils comprennent pas qu'on ne prend pas le volant en état d'ivresse, parce que c'est pas clair chez eux. Ça, c'est tellement important, parce qu'encore une fois, nous, ce qu'on veut, c'est pas la connaissance, c'est d'être clair. Parce que j'ai aucun doute que vous, mesdames, j'ai aucun doute que vous, messieurs, vous savez très bien ce qu'il faut dire à madame. Vous savez très bien qu'il faut dire à madame, t'es la plus belle, t'es l'amour de ma vie, toutes les autres femmes, c'est des poux à côté de toi, t'es tout ce que j'ai, c'est sans toi, mon cœur s'arrête, d'accord? Ok. Et vous, madame, vous savez très bien qu'il faut dire à votre mari, mais t'es le héros, t'es le plus fort, mais sans toi, la maison, on serait perdu, t'es le repère de la maison, t'es le héros, t'es le plus fort, t'es mon homme, quoi. D'accord? Ok. Tout le monde le sait, d'accord? C'est pas, hein, vous êtes déjà parti à des cours de Shalom Bayit, vous avez lu peut-être des livres sur le Shalom Bayit. Alors pourquoi on le fait pas? Parce que la réponse, c'est qu'on le sait, mais que c'est pas clair que c'est l'oxygène de ton couple. C'est pas clair.
que ton couple vit de ça. Et sans ça, c'est comme une personne qui est par terre en train d'agoniser. Voilà. Tant que c'est pas clair chez toi, eh ben tu continueras à vivre dans le même foyer, sans dire un compliment, sans encouragement, sans dire qu'on l'aime, sans dire que c'est la plus belle, sans dire que c'est le plus fort, parce qu'on n'a pas compris, parce que c'est pas clair, que c'est l'oxygène du couple. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Dans l'éducation des enfants, c'est la même chose. Tant que c'est pas clair que tu as besoin de passer du temps avec ton enfant a besoin de toi. Il a besoin de toi. Rabbi Yaakov Zon, qui est pour moi le gadol adore, le grand de la génération dans l'éducation des enfants, d'accord ? Lui-même, il le dit. Il dit, sache une chose, le temps que tu dois passer avec tes enfants, si tu ne l'as pas passé, c'est un chov. Tu gardes la dette. Si tu ne l'as pas passé quand ils sont petits à jouer au Playmobil avec eux, si tu ne l'as pas passé à faire semblant de manger le sandwich en plastique, si tu ne l'as pas passé en allant jouer au foot avec eux, si tu ne l'as pas passé à faire ça, que tu le veuilles ou non, tu le passeras quand ils seront adolescents, mais en allant les chercher au commissariat, en les emmenant chez le psychiatre, ou chez le psychologue. Ce temps que tu aurais dû passer, tu finiras par le passer. Mais ce sera différent. Mais tant que c'est pas clair, alors on continuera à faire la maison de Mickey, maison de Mickey. Tu m'as pris la tête ? Regarde, regarde la maison de Mickey. Parce que tu crois que Mickey il va éduquer tes gosses ? Parce que tu crois que Mickey il va donner l'intention qu'un enfant il a besoin ? C'est comme ça, Bémet, c'est comme ça. Parce que tant que nous, c'est pas clair et que c'est pas vital, qu'au moment où maintenant tu vas avec ton enfant et que tu joues avec ton enfant et que tu passes un moment avec lui, eh ben, il va se confier à toi, il va parler avec toi. Moi, je vous le dis et je le répète, on doit sortir au moins une fois par an, une fois par mois, nos enfants de l'école. Une fois par mois, tu sors ton enfant de l'école, tu vas passer une journée kef. Une journée kef avec papa, une journée kef avec maman. Tu vas faire un resto, tu vas faire un truc, peu importe. Une journée kef. Tu verras le résultat sur les notes à l'école. Tu verras la conséquence qu'il y aura sur les notes de l'école. Pourquoi ? Parce que tu verras que ton enfant, il sera compris. Tu verras que ton enfant, il sentira que Baruch HaShem, il a sur qui compter. Tu verras que ton enfant... Mais moi, la dernière fois, mon fils, je suis parti faire une journée avec lui. Le directeur, il a dit, il était où, votre fils ? Je dis, on est parti faire une journée kef. Vous savez ce qu'il m'a dit, le directeur ? Il m'a dit, kolakavod. Et je dis, mais si les parents faisaient ça plus souvent, on n'aurait pas des sauvages en classe. Parce que si maintenant ils existent dans la classe et qu'ils sautent sur la table, c'est peut-être parce qu'ils n'existent pas chez eux. Donc ils sentent qu'ils ont besoin d'exister dans la classe. C'est aussi simple que ça. C'est... D'accord ? Combien nous c'est important ? Combien nous c'est vital ? Parce qu'on doit comprendre que même si tu as l'impression que bah ouais, tu as pris tant de temps, mais tu n'as pas pris de ton temps, tu as économisé du temps, tu as économisé d'énergie. Mais tant que c'est pas clair, alors on restera comme ça. Et c'est la même chose dans la Emouna. Je n'ai aucun doute que maintenant, vous tous ici présents, nous tous, on sait que Dieu a créé le monde. Nous tous, on sait qu'Hachem nous a sortis d'Égypte. Nous tous, on sait qu'Hachem nous a donné à toi. On le sait tous. Alors pourquoi on s'angoisse avec le Hezbollah, avec les traits, comment ça se passait, où est-ce qu'on va aller, et comment ça va. Pourquoi on s'angoisse? Vous savez pourquoi? Parce qu'on est clair sur la Emouna, mais on n'est pas clair sur le Bitachon. Et ça n'a rien à voir. La Emouna, c'est tu sais, tu peux savoir. Mais le Bitachon, c'est tu le vis. Le Bitachon, c'est tu le vis. Et nous, ce qu'on doit travailler, c'est la clarté dans notre Bitachon. Notre Emouna, c'est travailler justement cette chose-là. Que maintenant, comprendre que quand maintenant ton voisin, il a garé sa voiture devant ta sortie de parking, et que tu dis, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Et j'ai un rendez-vous. Et que tu klaxonnes et t'as envie de le pendre. Et qu'à ce moment-là, tu t'arrêtes deux secondes et tu dis, mais c'est Hachem qui a voulu que maintenant il soit là. C'est Hachem. C'est Hachem qui m'envoie un Issayon pour voir combien je suis coléreux. Et combien je dois travailler ma colère. Et combien je dois travailler ma patience. Et combien maintenant, au lieu de moi, je vais perdre mon téléphone, il aurait pu se casser. Bah, ma capara, ça passe dans le fait que j'attends. Voilà, j'attends qu'il enlève sa voiture. Mais tant qu'on n'est pas clair là-dessus, on va souffrir. On va souffrir, c'est comme ça. Et tout notre devoir dans notre vie, et notre devoir tout le temps, et ça sera, c'est le travail qu'on doit faire d'une vie entière, c'est de travailler cette notion-là. Parce que c'est le cadeau de Matan Torah. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Pourquoi tu étudies du matin? Pourquoi on doit étudier du matin au soir? Pourquoi on ouvre une Gemara? Pourquoi tu ouvres un Shulchan Aruch? Pourquoi? Moi, je trouve ça incroyable. Moi, je me posais la question quand je suis arrivé à l'Eshiva. Je me suis posé la question. Je dis, mais gars, Shor chez Nagar Tapara. Alors, le Shor, il a encorné la vache. Maintenant, s'il a encorné deux fois, donc c'est Shor Tam. Après, troisième fois, il devient Mouad. Et t'en suis, il y a Givat Shmuel. Où il y a un taureau, où il y a une vache? Où il y a un taureau, où il y a des vaches? Donc, tu as dit, voilà, le taureau, il a fait ça, et la vache, elle a fait ça.
Pourquoi? Pourquoi on te... Eh bien, écoutez bien, la réponse, elle est très simple, mais elle est fondamentale. C'est que la Torah veut t'éduquer à une chose. C'est quoi? Est éduqué à chercher où est le Emet. C'est ça que la Torah elle veut. Ta Rava, il dit ça. Ta Abaye, il dit ça. Ta Rashi, il dit ça. Et ta Tosfot, il dit ça. Et ta Marsha, il vient et te dit ça. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent une seule chose. Clarifier les choses. Où est le Emet? Qui doit payer? Mais pourquoi la Gemara, elle te fait ça? Parce que la Torah veut te formater à réfléchir Emet dans ta vie. C'est ça tout le but. Tout le but de l'étude de la Torah, c'est une chose. Clarifier les choses. Et c'est ce que nous, on doit faire dans nos vies. C'est ce que nous, on doit faire dans notre Shalom Bayit. Parce que viendra un moment où maintenant, tu ne comprendras pas ta femme. Viendra un moment où tu ne comprendras rien à ton mari. Mais la question, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas baisser les bras ou tu vas essayer de clarifier les choses, comprendre pourquoi ça ne s'est pas bien passé? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi maintenant, elle a mal compris? Pourquoi elle s'est énervée? Et quand tu vas faire ce travail-là et tu vas clarifier les choses, ton Shalom Bayit, il sera éclairé. Il sera extraordinaire. Et ce sera la même chose dans l'éducation des enfants. Et ce sera la même chose dans tous les domaines de la vie. Tant que maintenant, tu n'as pas compris que tant que tu ne pries pas, tu ne peux pas attendre que les choses arrivent parce que tu ne les as pas demandées. Mais tant que ce n'est pas clair, ben on continuera à faire des amis d'autres. On continuera à faire des amis d'autres comme ça. Pourquoi? Parce que tu penses que tu as pointé. Mais tu n'as pas pointé, baba. Tu rigoles ou quoi? Tu es venu pour parler au maître du monde qui peut tout faire pour toi, il peut changer ta vie. Mais tant que c'est pas clair que lui, il peut tout faire et c'est le seul qui peut tout faire pour toi, il peut transformer ta vie. Tant que c'est pas clair, non, on continuera à faire des épisodes comme ça. Et dans tout, c'est comme ça. Vous savez, on dit dans l'Avdallah, Abaouch ata Hashem Elokeinu Melech Olam Amavdil Ben Kodesh Lechol ou Ben Or La Chosher ou Ben Israël Lamim. À Kadosh Baruch Hu, il fait la différence entre ce qui est Kadosh et ce qui ne l'est pas. La lumière et l'obscurité entre le Ham Israël et le reste des nations. La chance que l'on a, c'est d'être dans la lumière. Mais quand est-ce qu'on est dans la lumière? À partir du moment où on a clarifié les choses. Que ton Shalom Bayit ne tiendra pas sur les voyages que tu vas faire avec ton mari ou sur les enfants que tu auras. Sur... Non, ton Shalom Bayit tiendra sur le fait que maintenant, tu as clarifié le fait que maintenant c'est le respect qui est essentiel, c'est les valeurs dans le foyer qui sont essentielles, c'est la communication, c'est l'écoute, c'est toutes ces choses-là qui feront en sorte que ton Shalom Bayit sera extraordinaire. C'est pas le voyage que tu as fait à Miami, et c'est pas parce que moi je vois des familles, et ben ils vont faire des Pessahs, et ils vont faire des trucs, et ils arrivent là-bas, il n'y a plus personne. Ils arrivent, les enfants, mini-club, regardez, là-bas, mini-club, super, allez, bye-bye, super. Et l'autre, elle est avec ses copines, elle parle des ongles. L'autre, il est en train de parler, il tape la belote avec les autres. Et ils sont où? Alors, en fait, il n'y a personne. Il n'y a personne. Mais tu crois que, bon, on a voyagé, on a fait ça ensemble. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Vous voyez, il y a des gens, quand se fait ça, par exemple, on est à l'hôtel, il y a des gens qui me disent, Raph, on aimerait vous inviter à notre table, etc. Je leur ai dit, je vous dis honnêtement, c'est très gentil, je suis très touché, merci beaucoup. Mais moi, les repas, c'est qu'avec mes enfants. Qu'avec ma femme et mes enfants. Parce que la journée, on peut passer des journées à ne pas se voir et l'un, il fait l'autre. Mais alors, quand est-ce que maintenant tu parles? Quand est-ce que maintenant tu vas parler avec eux? Quand est-ce que tu vas communiquer? Et quand est-ce que maintenant tu vas apprendre ce qui ne lui a pas plu aujourd'hui? Quand est-ce que tu vas pouvoir le conseiller sur ce que maintenant il a vécu, qui a mal vécu? Ça dépend que de ça. Ça dépend que de ça. Quand tu comprends que maintenant tu vas acheter des pépites, d'accord, au vendeur de pépites, et que maintenant, à la fin du repas de Shabbat, tu ramènes une petite ambiance, des petites pépites, des petits chocolats, les petits trucs, et tu commences à parler avec tes enfants, et tu peux parler, tu parles, et tu vois, ils te racontent ce qu'ils ont vécu cette semaine, et que tu vois, Baruch Hashem, combien ils peuvent parler, combien ils ont vécu. Je le dis à chaque fois, si tu ne connais pas mieux tes enfants ce Shabbat, tu les connais moins bien. C'est la règle. Parce qu'ils ont vécu cette semaine. Ils ont eu une expérience cette semaine. Il y a eu des choses qu'ils n'auront pas plu cette semaine. Il y a des expériences qu'ils auraient peut-être souhaité vivre autrement. Mais si toi, tu n'es pas là et que tu n'es pas au courant de ce qu'ils ont vécu et que tu n'es pas là pour les conseiller sur ce qu'ils ont vécu, ben, que tu le veuilles ou non, si tu ne les connais un peu pas, si tu ne les connais pas mieux, tu les connais forcément moins. Parce qu'ils ont plus d'expérience et que toi, tu n'as pas été là. C'est comme ça. Et c'est notre devoir. Et je vous assure, c'est le plus grand recette que la Torah nous donne. Parce que les gens clairs, c'est les gens qui avancent. C'est les gens qui, Baruch Hashem, savent comment tenir leur maison. C'est les gens qui savent comment, Baruch Hashem, au moment où il y a des épreuves, ils savent comment réagir. Ça, c'est un vrai cadeau. Parce que tu te sens plus perdu. Tu te sens plus sans instabilité. Tu te sens plus sans... Non, parce que Baruch Hashem, t'as avancé.
Et je vous assure, quand vous ouvrez un livre de Shalom Bayit, demandez à Kadosh Baruch Hu, priez à Kadosh Baruch Hu avant. À Kadosh Baruch Hu fait en sorte que maintenant je puisse être plus clair dans mon Shalom Bayit. À Kadosh Baruch Hu fait en sorte que je puisse être plus clair dans l'éducation de mes enfants. À Kadosh Baruch Hu fait que je puisse être plus clair dans mes Emouna. Ça doit que Hachem éclaircit ma vie, éclaircit mon projet de vie. Où est-ce que je vais? Je le dis moi-même à mes enfants et je vous le dis aussi. C'est-à-dire que on doit, la première chose sur laquelle on doit prier dans notre vie, à Kadosh Baruch Hu, éclaircis-moi la raison pour laquelle je suis venu dans ce monde. Parce qu'on n'est pas venu en touriste. On est venu parce qu'on a un rôle extraordinaire à faire. Et on a tous un potentiel extraordinaire. Chaque juif, il est phénoménal. Chaque juif, il est incroyable. Et ça, ça dépend que d'Akadosh Baruch Hu. Qu'Akadosh Baruch Hu peut, du jour au lendemain, te faire connaître la bonne personne et la bonne truc pour que maintenant, Baruch Hashem, tu puisses connaître, tu puisses avancer, tu puisses te renforcer, tu puisses... Baruch Hashem. Et ça, c'est Baruch Hashem, notre mission. Et c'est pour ça que la Torah nous est un tel cadeau. Vous savez, Rav Cheskel Einstein, qui était le Majgar de Yeshivat Ponyovitch, il arrive comme ça, il est rentré chez lui comme ça à midi, puis il y avait un mixeur à bras. Vous savez, les mixeurs pour faire la soupe. D'accord ? Bon, maintenant, c'est l'appareil ménager le plus simple d'utilisation. D'accord ? T'as un bras, t'as le moteur, tu mets dans la prise, t'appuies, d'accord ? C'est, voilà, mixeur à bras. C'est un truc super facile d'utilisation. Il arrive comme ça dans la cuisine, et puis à ce moment-là, il voit la boîte. Il enlève le moteur, il enlève le bras, il sort la notice, et là il déroule la notice. Il appelle sa femme et dit, dis-moi, t'as vu la taille de la notice pour un appareil ménager qui est le plus simple d'utilisation? T'as vu la taille de la notice? Donc il a dit, si pour cet appareil il y a une notice, alors pour la vie, il n'y a pas de notice. Baruch HaShem, dans quelques jours, on va arriver au pied du Har Sinaï. Et on a reçu, nous, on a la chance d'avoir reçu la notice de la vie. De comment pouvoir gérer les situations les plus compliquées. Et je vous le dis encore une fois, on est un peuple qui avons tout passé. Et tout ce qu'on passera, on l'a déjà passé. C'est pas qu'on n'est pas entraîné, on l'a déjà passé. Ça veut pas dire que ça fait pas mal. Ça veut pas dire que c'est pas douloureux. Ça veut pas dire qu'on s'assoit et on pleure. J'ai pas dit le contraire. Mais c'est juste que nous, on a appris à se relever. Nous, on a appris que notre peuple, il s'arrête pas à ça. Nous, on a appris que Baruch HaShem, l'éternité du homme Israël, et on est clair là-dessus, Netzach Israël. Et moi, je le dis à mes enfants, et je le dis à la table de Shabbat. Je leur dis, mes enfants, vous savez, je vous dis une chose, vous êtes des héros. Je vous dis arrêtez, vous êtes des héros. Parce que pour avoir passé le Corona, pour avoir passé des guerres, pour avoir passé des menaces de roquettes, mais vous êtes des héros. Je leur dis, vous êtes des héros. Et on n'est pas là en mode, oh, comment on va faire si Dieu veut? Non. Non, on sera encore là, nous. On est clair, on sera là, nous. Le Hezbollah, le Hamas, c'est qu'une question de temps. Parce qu'on a déjà vu dans notre histoire, on les a tous faits. Je sais pas si on les attire, mais en tout cas, on les a tous faits. C'est un truc de malade. C'est pas que maintenant t'es venu en Israël et t'as que le Hamas. Non, pas du tout. T'as le Hamas, et t'as le Hezbollah, et t'as le djihad islamique, et t'as l'Iran. Les plus grands malades... Ils sont sur nous. Mais on sait que c'est qu'une question de temps. Parce qu'on l'a déjà vu dans notre histoire que c'était qu'une question de temps. Et qu'ils ont été rayés de la carte. Et nous, on continue, on avance. Mais si t'es pas clair, eh ben tu vas rentrer chez toi et je vais dire les enfants. Écoutez bien. Maintenant, le miclat, il est là-bas. Les enfants, 1, 2, 3, courez, allez-y. Tu vas faire ça. Parce que t'es pas clair. Mais quand maintenant, t'as la Emouna et tu dis, tiens les enfants, regardez, il y a un miclat. Hachem, il attend de nous une ishtadlout, on fait notre part, on va là-bas, ok? Si maintenant, il n'y en a pas, eh, c'est Hachem, il est là. Ne vous inquiétez pas, les enfants. C'est qu'une question de clarté. Tout dépend que de ça. Que de ça. On doit clarifier notre Emouna. On doit clarifier notre Shalom Bayit. On doit clarifier l'éducation de nos enfants. On doit clarifier. C'est ça la plus belle mission qu'on ait dans notre vie. Parce qu'encore une fois qu'on sait se faire ça, Baruch HaShem, le résultat, il est extraordinaire. Rachav al-Sacha, qu'Hachem bénisse Bezrat HaShem. On puisse tous clarifier dans notre vie de la meilleure manière. Bezrat HaShem, Rachav al-Sacha.